Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. À de ces vidéos, tous abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, à de ces vidéos, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Wow! Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. Aujourd'hui, nous allons vous raconter quelque chose de réel qui s'est produit et ça va vous sauver la vie. Si vous êtes prêts, asseyez-vous bien sur votre fauteuil, devant votre ordinateur, devant votre portable ou votre PC ou votre télévision et soyez connectés parce que nous allons entrer dans une autre dimension. Let's go! De quoi s'agit-il? De quoi est-ce qu'il est question aujourd'hui ici? Ce dont il est question ici va vraiment vous étonner. Ce dont nous allons parler ici, là, pour être plus clair, là, ça va tellement vous dépasser que vous serez surpris. Vous allez dire, mais what? Que s'est-il passé? Mais pourquoi? Comment? En tout cas, vous serez étonné. Ce sont des amis. C'est-à-dire, vous avez des amis, vous êtes au nombre de 4. Et toujours vous êtes là, ça ne va pas, vous voulez évoluer, vous ne trouvez pas le chemin. Et voici qu'un jour, l'un d'entre vous va faire quoi? Rencontrer une opportunité, va trouver quoi? Une belle opportunité de pouvoir tout simplement avoir quoi? De l'argent. Ah! Et quand il va trouver cette opportunité-là, lui, il va décider de faire quoi? De vous raconter ce qu'il vient de trouver afin que vous tous, nous tous, nous puissions tout simplement bénéficier de ces avantages-là. Mais le problème ici est que la porte que ce dernier là va trouver là, ce n'est pas une bonne porte. C'est une mauvaise porte. Et c'est la porte qu'il faut éviter. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a rencontré? Nous, souvent, il faut tout nous dire. Il faut tout nous raconter. On veut tout savoir. On veut savoir. On veut tout savoir aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous allons tout vous dire. Mais soyez prêts parce que ce que vous allez entendre risque de vous, franchement, vous étonner. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Ça va être chaud. Sautez un peu. Parce qu'on va dans une autre dimension aujourd'hui. Let's go! Soyez relax. Ça fait un peu peur, mais soyez relax quand même. Ok, c'est parti. Où on se trouve? On se trouve sur un terrain de football. Oui, mais sur le terrain où nous allons nous rendre là, c'est un terrain vraiment trop mystique. Alors, soyez prêts. Quand ce jeune homme a trouvé ce bon endroit ou encore cette belle porte où il pouvait avoir de l'argent, où il pouvait avoir la richesse. Comme un bon ami, il a expliqué toutes ses histoires à ses amis et ses amis l'ont suivi. Mais le problème ici est que cette porte n'était pas une bonne porte, on vous l'a dit. Mais pourquoi on dit que c'était pas une bonne porte? Vous allez comprendre au final, c'est vous-même qui allez dire, mais what? Vous serez étonné. Ok, voici qu'un jour, ce dernier-là, celui-même qui a trouvé cette porte, ou encore cette belle opportunité d'affaires, va inviter ses amis où? Là-bas, dans cet endroit. Et c'était où? Une maison. C'était chez qui? C'était chez son oncle. Quelqu'un va dire, mais... Oh, c'était chez son oncle. Mais comment tu peux nous dire que c'est une mauvaise porte? Comment ça? En fait, son oncle, il a l'argent. Oui, il a construit même. Il a tout ce qu'il faut. Mais s'il a tout ce qu'il faut, c'est qu'il peut aider son neveu, il peut aider son fils, c'est comme son fils aussi. C'est son enfant, c'est une même famille. Oui, c'est une même famille. Vous allez comprendre ça tout de suite. Il n'y a pas de souci. Quand le jeune est arrivé chez son oncle,
Salomon leur dit, est-ce que vous êtes prêts à faire ce que nous allons faire ici aujourd'hui? Ah! Il ne savait pas de quoi il est question. Il a dit à son neveu, est-ce que tu lui as raconté un peu cette histoire? Il dit, je sais qu'ils vont accepter, il n'y a pas de souci. Hein? Toi, mais tu es le neveu là, tu ne sais même pas de quoi ton nom parle et puis tu dis que tes amis vont accepter. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer là? Nous allons tout vous dire ici, mes frères et sœurs. Son oncle a dit, qu'est-ce que nous allons faire là? Vous n'avez peut-être pas vu ça auparavant. Mais c'est la chose là même qui va vous permettre d'être riche, d'avoir l'argent qu'il vous faut. Mais quoi? D'avoir le succès? Mais qu'est-ce que c'est? Parmi les quatre personnes là, il y a une personne qui a dit, franchement, là où on va là, ça ne m'intéresse pas trop. De quoi il s'agit exactement? Son oncle a dit, pendant 7 jours, vous serez transformé. Retenez bien, pendant 7 jours, vous serez transformé en vautour et vous aurez à consommer de la chair humaine lors de votre mutation. Après cela, vous allez être retransformé en humain et c'est là que vous allez avoir de l'argent, de la richesse et ça ne va pas s'arrêter. Vous pourrez même être milliardaire si vous êtes fort, si vous devenez encore plus grand. Quoi? Toi qui me regardes, toi qui étais regardé, tu disais, mais ah, c'est son oncle, donc c'est une belle opportunité. Donc c'est pas un problème là. Ton oncle là, même si vous êtes d'une même famille, même si c'est ton parent, que tu as confiance à lui, si là ton parent là c'est un sorcier ou c'est un sataniste là, ce n'est plus ton parent. Regardez ce qu'il leur demande de faire. Combien d'entre vous qui sera prêt à faire ce qu'ils ont fait? C'est tellement difficile à dire. On peut même pas prononcer ça, tellement c'est pas beau à voir, c'est vilain. Son oncle leur dit qu'ils seront transformés en vautours pendant 7 jours. Ils vont consommer de la chair humaine. Il y a un d'entre eux qui a dit, mes frères et sœurs, il a dit non. Franchement, c'est vrai. Je galère ici, c'est dur chez moi. Mais passer par un tel moyen pour avoir la richesse, pour avoir l'argent, franchement, moi je ne veux pas. Franchement, je préfère éviter. Voici comment ce dernier s'est retiré. Quand il s'est retiré là, son oncle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Plus tard, son oncle a dit, ok, je vais vous laisser déposer chez vous. Et pendant qu'ils allaient sur le chemin, il y a un dernier qui a refusé cela. Il a dit, non, il va descendre ici, il va descendre sur le chemin. Voici comment il est descendu sur le chemin. Mais vous connaissez le diable. Le diable. Vous allez voir ce que son oncle va faire. Le diable qui se trouve en son oncle là, il va donner une forte somme d'argent, au moins 10 000 dollars à ce dernier. Comment ça fait combien d'euros? Ah, vu une bulle de 8 000 euros. Hein. Il a donné à son ami. Il va donner à ton ami qui s'en va là. Il faut lui dire qu'il a pensé à celui. Vous voyez, dès qu'il a vu l'argent net, il était étonné, mais il les a laissé partir de la voiture. Et c'est plus tard. Au moment où ils étaient prêts à faire la cérémonie pour la richesse là, mes frères et sœurs, c'est à ce moment-là que ce dernier, il était à la maison et il a changé d'avis, il a décidé de venir où? Dans ce lieu-là, ce jour-là même où ils étaient prêts à être transformés en vautour. Et voici que il est arrivé, il y avait des gardes comme devant la maison comme ça. Des gardes comme ils étaient là. Ah! Comment il va faire pour entrer? Quand il est arrivé, on lui a demandé le code secret. Il avait le code secret. Il a donné le code secret et il est lancé pour se passer. Et il a commencé à soupçonner quelque chose de bizarre qui se passe autour de cette maison ou encore dans cette maison. Et il s'est rendu, il est allé à la fenêtre même pour voir ce qu'ils sont en train de faire dans la maison secrète, encore la chambre secrète, où étaient censés se rentrer tous ceux-mêmes qui sont dans leur groupe.
Et voici qu'il va arriver à la fenêtre là et il va voir ses amis là. Ils sont tous transformés en vautours. Mais il y a un d'entre eux là. Sa tête sera toujours en haut comme ça. Elle dit en bas là c'est vautour. Hein. Son corps c'est vautour. Mais la tête de l'homme. La tête là ne va pas se transformer en vautour. Ça sera un problème pour eux. Ils vont chercher tout le tout, tout mettre en œuvre pour essayer de résoudre ce problème. Ça ne va pas. Pendant qu'ils sont en train de faire la cérémonie là, voici le jeune là même qui a essayé, qui n'a pas accepté là. Lui il sera dans, à côté de la fenêtre là-bas, on vous l'a dit, et il sera en train d'observer tout ce qui se passe là-bas. Il est en train d'observer comme ça tout ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il est en train d'observer là, l'un de, parmi ceux qui sont en train de faire les trucs pratiques mystiques là, qui se trouve même dans ce cercle là de la richesse là, de ce cercle des milliardaires, il va sentir la présence de quelqu'un qui n'est pas censé être là. Du coup, ce dernier, ce jeune là, va sentir que c'est de lui qu'il s'agit. Il va se mettre à fuir. Dieu merci, il va réussir à fuir. Mais le sataniste là, lui ne va rien dire, il va dire non, ne réagissez pas, laissez-le partir. Laissez-le partir, on sait comment on va régler ça. Plus tard, dès que la cérémonie s'est terminée, ce jeune homme s'est rendu où? À la maison. C'est-à-dire, en fait, le jeune homme qui a fui là, il était à la maison. Mais pendant qu'il était à la maison, sur le monsieur, l'oncle à son ami là, va apparaître mystiquement chez lui là-bas. Alors qu'il n'est même pas censé savoir où il habite. Dès qu'il va apparaître là net et que ce jeune homme va voir cet homme, il va dire « Oh, mais mon oncle, comment se fait-il que tu es là? Comment tu as monté chez moi ?» Il dit « Tu as vu des choses que tu ne devais pas voir. Tu as dit que tu ne devais pas faire la cérémonie. Pourquoi tu t'es rendu chez nous? Comme tu as vu ces choses, tu ne dois pas rester en vie. Hein? » Et comme son oncle ne pouvait pas le tuer sur le champ, il lui a lancé un sort. Et ce sort-là l'a rendu comment? Sous-muet. Il ne peut pas parler, il ne peut pas ouvrir la bouche pour raconter à quelqu'un ce qu'il a vu. Il fait comment? Pendant ce temps-là, ses amis, ils n'ont pas pu être retransformés en humains. Donc son oncle et ses sectes ont décidé de les tuer, encore les sacrifier. Et leur plan de sacrifice là était maintenant révélé au grand public parce que avant que ce jeune là ait été envoûté ou encore avant que ce temps-là le lance de sorcellerie, lui déjà là-bas il a lancé cette information à tout le monde que voici tel jour vous venez faire de tels sacrifices. Et quand ces milliardaires ont découvert ça, ils ont trouvé effectivement que c'était ce jeune qui avait livré ses secrets. C'est pourquoi ils ont lancé ce sort à ce jeune homme. Et plus tard, vous allez voir, plus tard, ce secte-là va connaître un problème sérieux. Et c'est quand ce secte-là va connaître un problème sérieux relatif à ce sacrifice qu'il venait de faire là. Parce que ce jeune homme-là, c'est vrai, ils l'ont rendu soumis, mais il pouvait écrire. Il va commencer à dévoiler tout ce qui s'est passé là-bas. Et comme vous le savez, quand le plan de l'ennemi est dévoilé, ses forces diminuent. Voici que les forces de ce sataniste-là, ou encore de celui-là même, qui a lancé ce sort à ce jeune homme, va faiblir au point où ce jeune homme qui était sous, ou encore sous mien, va se mettre à parler et raconter tout ce qu'il a vu. Et le dégât qui va se produire dans le secte des satanistes là-bas, c'est Dieu ceux qui connaît. Si vous voulez savoir de qui va se passer par la suite, abonnez-vous et nous rapporterons la suite. Et même nous, nous allons vous montrer le film ou encore la vidéo ou encore ce témoignage là. Et beaucoup de personnes, comme d'habitude, ils vont discuter. Peut-être même ils seront étonnés. Mais ce sont des choses qui sont réelles. Et Dieu nous montre ces choses, nous fait voir ces choses pour nous dire que dans la vie là, réussir là, c'est pas mauvais. Il faut aussi dans le bon chemin. Parce que si vous empruntez un autre chemin, vous risquez d'avoir des problèmes là-bas. Parce que le diable ne peut pas bénir quelqu'un. Même si vous avez réussi tous ces rituels et que vous avez eu la richesse, vous n'aurez pas la paix. Le diable et ses démons seront toujours là. Vous tourmentez et ça ne sera pas bon pour vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.
J'espère que cette vidéo va vous aider à prendre de bonnes décisions dans votre vie et à vous permettre de bien marcher dans la vie. Franchement, quand on a des amis, c'est pas mauvais. Il faut avoir les bons. Comment savoir que ce sont les bons? On dit que quelqu'un est son frère uniquement que lorsque la personne a le même Dieu ou encore le même maître que nous. Si vous marchez avec quelqu'un et vous priez le même Dieu, c'est que la personne là, c'est votre frère. Si vous ne priez pas le même Dieu là, franchement, ça sera difficile pour vous que vous vous attendiez. Sinon, lui, il va vous initier. Ou bien c'est vous qui allez l'initier. En général, là, les sorciers là, eux, quand ils sont amis à quelqu'un, ils cherchent forcément à initier la personne. Soit être initié ou te conduire à la mort. C'est ça le travail. Savez-tu que vous devez faire très attention dans la vie? Nous devons faire attention, hein? Avoir beaucoup d'amis là. Hey. Avoir des amis, c'est pas mauvais, hein? Tu l'as oublié, hein? Mais la plupart du temps là, ça crée des problèmes, hein? Et ça, il faut éviter ça. Il faut éviter ça au maximum. Si tu as des amis et ces amis là te disent, mon frère, te donne de bons conseils, tu dis par exemple, mon frère, ah, cherche Dieu, c'est le moment de chercher Dieu, avoir plusieurs copines là, franchement, nous on t'encourage pas dedans. C'est que ces amis là, ils ont un bon esprit en ce moment là. Mais si un jour ils reviennent et puis ils te disent, ah, franchement, on a trouvé un bon coin où on doit aller pour faire des choses extraordinaires, pour avoir la richesse. Aujourd'hui là, tu as la réponse à ta question. Fais attention, sache où tu mets les pieds et écoute Dieu. Accepte le Seigneur Jésus-Christ à ta vie, te gardera et sauvera ton âme de toutes ces choses vraiment mauvaises qui se passent dans notre monde. Et ça, ce n'est encore rien comparé à ce qui arrive, à ce témoin extraordinaire que nous avons prévu. Oh là 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 là. Même le jeudi prochain, ce que vous allez voir comme témoignage va vous étonner, vous serez dépassé. Ceux qui doutent encore de ces choses, jetez un coup d'œil sur le témoin puissant précédent et vous allez voir que réellement, il y a des choses extraordinaires. Dans le témoin puissant précédent, un ex-sataniste, il a même plus de 25 ans d'expérience. Il va venir tout simplement nous raconter ce que lui-même il a fait là-bas. On suppose que l'oncle à ce jeune-là, c'est un sataniste. Et quand, imaginez, si Dieu avait délivré son oncle, qu'est-ce que son oncle allait nous raconter afin que nous puissions découvrir, afin que vous aussi vous soyez dépassés et étonnés pour vous amener à croire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il faut rester sur le chemin de Dieu. Ouais. Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous garder, il veut nous préserver du danger. Il veut que nous soyons délivrés, il veut nous aider. Ce genre de témoignage là, peut-être vous avez déjà entendu parler, vous avez négligé. Aujourd'hui là, ne négligez plus rien. Réveillez-vous et marchez avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être contre Satan. Donc préparez-vous aussi au combat. Le diable habite les humains, il possède les humains. Et ce sont les mêmes humains là qui vont venir vous combattre pour vous éloigner du chemin de Dieu. Ils peuvent même vous donner de mauvais conseils. Et c'est là même le danger. Si vous marchez avec des gens qui ont de mauvaises pensées, à un moment donné là, vous-même vous allez commencer à avoir de mauvaises pensées. Parce que toujours tu es là, tu attends, ah, allons faire des sacrifices. Allons faire des sacrifices au diable pour avoir la richesse. Allons voir les âmes au diable. Allons voir les âmes au diable. Toi, si tu avais les gens de personnes là, un jour tu seras un jour tenté d'essayer. Donc il faut faire quoi? Se retirer. Parce que la mauvaise compagnie corrompt la bonne messe. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez choisir le bon chemin et que Dieu lui-même va vous aider pour le reste. Donc le restant de vos vies sur la terre. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Waouh! C'est extraordinaire. Si ce témoin vous a touché, vous pouvez laisser un j'aime et vous préparer pour la prochaine vidéo. Vous abonner si ce n'est pas quoi faire. Merci également à tous ceux qui font les dons pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Nous entrons dans une autre dimension. Soyez donc prêts, ça va être chaud. Let's go. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.